tu te sens, Julie? Super bien, écoute, ça se voit, non? Ah, je suis belle en plus. Tu vois, ah, top. Tu m'as l'air en effet en pleine forme. Je suis en pleine forme. C'est ça le mât que tu dois grimper. Le mât en effet que doit grimper Julie est ici. C'est sympa aussi. Hein. Julie, le seul problème c'est que tu as un peu les éléments contre toi. Le vent ne va pas t'aider pour une raison simple. C'est que tu as en ta possession deux taquets de bois qui vont t'aider donc à te tenir, à te maintenir au mât. Sachant que tu dois arriver jusqu'au bout de ce mât de 15 mètres pour récupérer le cartouche contenant l'indice. Tu vas maintenant, quand tu seras à une certaine hauteur, pouvoir récupérer les taquets en la possession de Kamel qui est au second étage et de Pierre qui est à la terrasse. Ne tarde pas, on te souhaite bonne chance. Tu es prête? Pas maintenant tout de suite. C'est là maintenant tout de suite. Alors, Julie, bonne chance. Tu m'écoutes, tu vas aller sur ta droite, tu vas te retourner vers moi et Gaël, d'accord? Oui. Alors, t'as bien compris? Il fallait que tu récupères les taquets que vont t'envoyer Kamel et Pierre. Bon, pour l'instant, tu vas te concentrer, tu vas te mettre en position. Pas sur la droite, pas sur ta droite. Voilà, tu contournes. Très bien, voilà. Si tu sens un petit peu le mât bouger, t'as compris, il y avait beaucoup de vent. C'est normal. Elle a des conditions terribles, quand même. Ouais. Alors, évidemment, on n'a pas 300 000 taquets, donc essaye de ne pas tous les faire tomber à la mer. Sans quoi tu n'aurais pas suffisamment pour arriver en haut du mât. Il faut que vous soyez bon pour le lancer, les gars. Alors, attends, casse-toi maintenant sur un taquet. Casse-toi bien comme un geste. Voilà. Et maintenant, tu récupères le taquet que Kamel va t'envoyer. Hey Kamel, vas-y, envoie-lui un taquet. Va vraiment en avant. Super courageuse, c'est top. Tu réfléchis pas, tu continues, tu vas jusqu'en haut. 3. Bravo. Allez, c'est parti, allez, hein. Continue comme ça, Julie, c'est top. Là, c'est bon, là. Ouais. Kamel est un bon lanceur de taquet. Ouais. Côté taquet, t'es super bon, toi. T'es au taquet avant. Hein. Ah, c'est beau ce qu'on vient de dire. On a l'impression d'avoir trois mots de vocabulaire sur le corps. À gauche, en bas. Tu enlèves celui-là. Ouais, exactement, voilà, celui-là. Voilà, exactement, tu enlèves l'autre. Gaël, mais lui. Voilà. Je veux pas te mettre la pression, Julie. Julie, je veux pas te mettre la pression, mais il faut que tu je peux, vas-y. Je t'assure, je fais ce que je peux. Je suis sûr. Et t'es super. T'es super. Monte-le, l'autre. Peut-être que Pierre pourrait te l'envoyer. Appelle Pierre, dis-lui d'envoyer des taquets à Julie. Il est trop loin, laisse tomber. Monte celui-là. Ouais. Je peux pas monter avec mes jambes après. Non, je peux pas. En tirant avec le truc, tu peux pas. Des bons niveaux temps dans le coup là. Tu peux pas lui envoyer là. Non, c'est trop loin. Trop loin. J'essaye quand même ou pas? Ça va faire les pieds. Julie, tiens presque, c'est top, c'est top, vas-y, courage. Oui, tiens. Recule un peu le pied dessus. Fais mieux le pied dessus. Merde. Non, mais il n'y arrivera pas là, c'est galère. Ouais. Bon, Julie va abandonner. Tu vas attendre, regarde, allez, continue. Non. Cette espèce de... Bon, c'est fini. C'est quoi cette équipe? Julie. Julie, une équipe de c'est fou. Fini, oui. C'est fini. L'indice a explosé, mais vraiment, voilà, moi je t'applaudis. On est super admiratif. C'est vraiment bien super ce que t'as fait, admiratif. D'accord? Et t'inquiète pas, on a déjà deux indices. Mais nous, on c'est va se dépêcher quand même. Tu te déséquipes et tu nous retrouves, d'accord? A tout de suite, décompresse. Salut l'artiste. Bravo, hein. Salut le clown. C'est un truc inhumain. J'ai pas assez de force dans les bras, j'ai mal au cou. C'est vraiment un truc de barge. Mais la vue est sympa en tout cas.